Real street dance happening right now. That street dance in China. Vas-y. Bruce, basketteur. Tu sais que j'aime bien le concours. Monsieur Airball. Oh, oh. Hey. Je suis vénère. Attends, et encore. Je suis un peu rouillé, tu vas voir. Dans 10 secondes, je te l'attrape. Détente, hein, le gros, là. Ah merde. Tortue géniale. Mais bonne la tortue. Pas mal. Mais on n'est pas pris hein, mais c'est pas faut demander là-bas. On a Guchon. Guchon, tortue. Guchon, you eat the turtle. Ça c'est version chinoise. Cool. Le apple pie. Cool. Pineapple pie. Royal Guchon. Good food. Bonjour. Good. Good. Good chicken. Je crois que c'est tout le monde pareil. Hein. Le McDo là, ça va nous sauver la vie. Ça va. Let the rhythm hit 'em. On the awesome, I gotta tell every lyrics and ammo. Rounds of rhythm, then I'm gonna give 'em piano. Bring a bulletproof vest, nothing to ricochet. Ready aim at your brain and what the trigger say. Tempo's trifle, felt like a rifle. Massaging melodies might go right through. Simultaneously like a Uzi, nothing can bruise me. Lyrics let up when ladies say don't lose me. So reload quickly, and you better hit me. Well, I'm letting this VP get with me. You're stepping with 007, better make it snappy. No time to do your hair, baby. Brothers busting at me. Beasts and bullets pass me, not on target. They're going for hard hit, but watch the guard get. Quick of the tongue is the trigger, cause I'm real fast. Let on some rhythm, Adam. Let him feel the blast, penetrate at a crazy rate. This ain't a 38, hit him at point blank range. Watch him radiate, running out of ammunition. I'm done with him, you ask me how I did him, I let the rhythm hit him.
Gemini, donc voilà, danseur spécialisé en locking. Et juge sur la tournée Juste Debout 2010. Idio, en fait, il a eu un gros problème de santé. Il est tombé très malade juste avant de partir du Japon pour la Chine. Et dès qu'on arrive en Chine, en fait, on l'a emmené directement à l'hôpital pour qu'il aille faire les examens et se reposer. Donc, bon, il n'a pas pu faire jury donc, sur l'édition de Chine. Bruce l'a remplacé à la dernière minute. Et on espère qu'il va revenir le plus rapidement possible avec nous. Les gens, en fait, ici, comme c'est la première, ils sont pas tellement habitués, donc que ce soit le public ou la personne qui présente, ils sont tous un peu dans le questionnement, en fait, de ce qu'il faut faire. Pareil pour le DJ, ils sont pas tellement habitués, en fait, au nombre de passages, au changement musical, au type de musique, des fois, qu'il faut mettre. Donc on a eu droit à des petites surprises par-ci, par-là, mais bon, après, ça s'est amélioré, puis ça s'est bien passé dans l'ensemble. Alors le locking, donc en Chine, ils sont pareil en développement, donc il y a de bons éléments qui je les connaissais plus ou moins tous parce que j'avais déjà jugé des battles en Chine. Donc ils sont en train de monter, ils sont encore dans le, je dirais, il en manque pas mal de choses, hein, ils sont vraiment aux prémices, hein, ils en sont encore à digérer les bases et le fonctionnement avec la musique, etc. Essayer de jouer un peu le show avec ceux qui ont de la personnalité, ils vont essayer de jouer avec le public et tout ça. Donc ils sont en train de se mettre en place, on va dire. Et l'équipe qui est passée, c'est la finale qu'on a eue, c'est toujours ces équipes-là qui sont dans les demi-finales finales. Donc c'est pas une surprise pour moi. C'est des équipes que je connaissais bien. Et ils progressent doucement, ils avancent. Donc ça va leur faire du bien de voyager et de rencontrer des gens d'un peu partout, quoi. Mais à Wuhan, apparemment, j'étais le premier à venir parler de locking. Apparemment, les gens ici n'avaient pas encore fait venir de danseurs de lock. Ça débute. Ici, ça débute, hein, c'est vraiment quelque chose. Hein. Les meilleurs qui étaient dans le concours de lock, ils viennent de Shenzhen, de Beijing, de villes qui sont un peu plus développées en termes d'événements et de danseurs. Donc, ils ont un peu plus d'expérience là-bas. D'accord. On dit que la Chine, c'est l'avenir. Est-ce que c'est l'avenir du lock ? Je dirais l'Asie pour l'instant. Et de ce que j'ai vu, je peux pas dire autrement, parce qu'avec tous les enfants qu'on a vus au Japon, avec un niveau de ouf, le Japon et les futures générations, ça va pour l'instant au Japon. Même en Europe, j'ai pas vu d'enfants danser comme ça.